Ben, Michel, je micro. Test. Ramis Fawza, la tawali, la nasa l'Europan. Ouais, فوق أرضية البيدان فوز مستحق أمام منتخب عنيد ومنتخب معروف على المستوى القاري. تعليقك حول المباراة ككل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا نلعبوا مع كما قلتي فريق قوي، فريق معروف في المنطقة، و مع اللاعبين تاع مستوى العالي، كلهم يلعبوا في الأندية في أوروبا، أندية كبار. كنا هذه جينا نحوسوا هذا الصعوبات اللي شفناهم اليوم ضد فريق قوي. بالنسبة لي أنا سي كيما نقولوا في الصعوبات اللي تقدر تتحسن. لعبنا مباراة قوي واللاعبين بينوا ان نيفو بلوس كو ساتيسفيزون في هادو سور سي دو ماتش لا. اون فا ريستي سور الماتش دو نيجيريا، دونك جي زون فيليسيت كوتش. بسم الله الرحمن الرحيم. كوتش، مقارنة بالمقابلة أمام منتخب غينيا، هل هذا راجع إلى مستوى الفريق المنافس أو إلى التغيير الطفيف الذي غيرتموه في التعداد الذي دخل اليوم؟ كما قلت لكم من بعد المباراة تاع غينيا، في هذا المباراه كاين بزاف لاعبين اللي لعبوا اللي ما عندهمش الخبره في الفريق الوطني. بور سارتان سي لور بروميير سيليكسيون، بيناتهم ما لعبوش كثير، ميم نجمو نقول بلي كاين اللي ما لعبوش عمرهم اللي لعبوا بعضهم. دونك سا سي ان سي اون شوز كو تو الموند كوناي تكنيكمون ايفيدامون. اون سي بلي لازم كما قلت لكم مرة أخرى، نالشيمي ما عرفش نقولها بالعربية، دي زوتوماتيزم ان فيكو بعضهم. ولكن الأهداف تاع هذه المباراة الأولى كان بان نشوف لاعبين اللي ما لعبوش من المنتخب دوبي لونتون وكاين اللي جامي لعبوا. فوالا لانتيغي دو سو بروميي ماتش لا. اكيد كي تلعب مع فريق اللي عندهم خبره بيناتهم بعضهم، باسكو لعبوا كثير بعضهم، ميم ضد فريق قوي، اكيد المستوى يطلع والاداء تطلع الثاني. سلام كوتش، سفيان من كبير حي تي في. On a vu aujourd'hui une équipe très solide, combative, même le niveau de jeu s'est amélioré. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match de la Guinée? Et un commentaire sur la rentrée de Ben Taleb, qui a été décisif, qui a apporté le plus. Il a libéré Zélori côté offensif, même le milieu de terrain, il a retrouvé son équilibre. Merci. Je le répète, sur cette histoire de la Guinée, on ne va pas faire comme si on n'entendait pas. J'ai déjà expliqué, et beaucoup, c'était notamment pour cette première mi-temps qui a été délicate. Deuxième mi-temps, on a repris le contrôle du jeu, je pense. Il y avait beaucoup de joueurs qui vivaient leurs premières expériences, qui étaient parmi les premières sélections, déjà individuellement et collectivement. Un grand manque d'association. Parce que la situation de l'instant voulait que je désirais voir des joueurs et je désirais voir, quitte à avoir un problème d'automatisme et de fluidité dans le jeu. Le plus important, c'était de voir des joueurs, notamment par exemple, si je voulais vous donner un exemple, Nabil Ben Taleb,
malgré cette première mi-temps difficile contre la Guinée, il a quand même élevé son niveau de jeu et montré de belles choses. Donc, il est évident qu'après, avec une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, une équipe qui a déjà beaucoup d'automatismes, avec laquelle on a beaucoup déjà travaillé, c'est déjà plus simple, même contre un adversaire très solide comme le Nigeria. Malgré qu'il y a encore Ahmed Touba, par exemple, qui en est à sa troisième, quatrième sélection, il reste Rami Serouki encore assez neuf dans cette équipe-là. On a vu le retour de certains joueurs comme Youssef Attal, qui n'avait pas joué depuis pas mal de temps aussi. Donc, on est satisfait de l'adversité déjà qu'on a eue. C'est ça qui nous fait progresser. C'est comme ça que j'ai répondu à la première question. Et puis, de la performance de l'équipe. Comme d'habitude, comme tous les matchs hein, dans le monde, tout n'est pas parfait. Mais on est satisfait dans l'ensemble. Assalamu alaikum. Julio Hussein, Ra'i Riyadi. Coach, après deux matchs, اللي تبحث عنها مثل ما قلت في الندوة الصحفية الماضية يعني الخطة اللي تحضر فيها الجديدة وفيما يخص مشاركة اللاعبين تقريبا كلهم شاركوا ما عدا الحارسين وأستاذ كارت طبعا شفتها قضية ميليزاك ما شفناش في هذه المقابلة شكرا première question j'ai pas compris première question j'ai pas compris la première question la recette du mal à la maison. لازمنا المباراة on a des idées, on a beaucoup d'idées, c'est bien d'avoir des idées mais plus difficile c'est d'avoir les éléments pour les mettre en اسمح لي يعني شويه عيان ديجا العربيه تاعي ما راهيش parfaite mais en plus avec la fatigue c'est encore pire. Je préfère répondre en français parce que c'est plus simple pour moi. Donc oui, tout ce qu'on recherche c'est des choses qu'on la progression sur certains domaines, dans l'animation, dans la fluidité de jeu, il y a beaucoup de choses que l'on veut faire. Maintenant, avec les qualités et les peut-être entre chaque joueur, il n'y a aucun joueur qui est complet, c'est en tout cas en équipe nationale d'Algérie. Donc il y a des choses que l'on peut faire, des choses qu'on peut un peu moins faire et qui pourraient porter peut-être préjudice si on veut vraiment être jusqu'au boutiste et dire « ouais, je veux jouer comme ça » ou « je veux faire ça » malgré qu'on n'a peut-être pas ces qualités-là, on en a d'autres. Donc, jeudi, avec un joueur, comme je répète, pour la troisième ou quatrième fois, il a tellement été décrié qu'on peut aujourd'hui le féliciter sur ces deux rencontres. Un joueur comme Nabil Bentaleb est la grande satisfaction, de ce, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais Sahoua, c'est la grande satisfaction de ce stage. Il avait été d'une certaine manière, quelque part, sous pression, parce qu'il sait que c'est par les performances, les matchs, qu'on voit qui fait quoi, et est-ce qu'on valide, est-ce qu'on ne valide pas, est-ce qu'il mérite sa sélection, mérite pas sa sélection, on est satisfait, on n'est pas satisfait, c'est comme ça, c'est le football, j'ai rien inventé. Donc, on peut dire déjà qu'il a marqué beaucoup de points et qu'effectivement, pour revenir à votre question, il permet peut-être de jouer d'une certaine manière, avec peut-être en montant, remontant, en faisant remonter Rami Serouki, qui, je sais, depuis très longtemps, a cette peut-être formation même de joueur relayeur et qui, effectivement, certaines fois, joue dans le rôle dans lequel j'utilise, sentinelle, mais il a peut-être été plus formé comme relayeur et c'est un joueur qui a un gros coffre, qui est capable d'animer, puis de se projeter, peut-être même marquer des buts. Il en marque toujours 3-4 par saison dans ce championnat. Et il a un gros volume de jeu. Donc avec Nabil, on a voilà, d'autres options. Inch'Allah. Salam alaikum, coach. Mohamed Rabi de la Radio Chaîne 2. Coach, comment vous avez trouvé la réaction de vos joueurs? Il est où? On est en minute. Donc, le comportement, la réaction, quand ils sont dans la difficulté, j'allais dire. Merci. Oui, c'est toujours quelque chose qui peut te casser dans ton élan de concéder un but comme ça, surtout sur coup de pied arrêté.
Donc il y a eu un problème de réaction là-dessus. Ça joue à deux, ça centre après, ça revient, on sort pas assez fort, assez vite sur le porteur du ballon, ça frappe, ça traîne encore dans la surface, puis ça finit par un but. Donc on a manqué de vigilance, de réaction, ça me déplaît, le haq, parce que j'insiste là-dessus, sur ce côté-là, on était en plus, il n'y a pas l'excuse de la fatigue, parce qu'on était quasiment au début du jeu, et puis ça aurait pu casser notre élan, notamment, et puis... Mais bon, ces joueurs-là ont des ressources, on est resté sur notre plan, on n'a pas paniqué, c'est un peu le lot des bonnes équipes quand même. Et puis on s'est réinstallé dans ce match-là et on a retravaillé cette équipe-là jusqu'à voilà, revenir à la marque et puis même prendre le dessus. Salam alaykoum coach, je m'appelle Mimi Barkin, je suis en Algérie à Noir. مبروك عليكم الفوز وهل فوز الجزائر اليوم على نيجيريا يقول منتخب عاد إلى عهدة الهزيمة إلى فرايك وخاصة بعد تأكيد فوزي في المباراتين ضد غينيا ونيجيريا ودوزيام كيستيون شفنا كوتش تغييرات ووجوه جديدة في المنتخب الوطني هل سنرى في المقابلة القادمة وجوه جديدة من المنتخب المحلي مثلا شكرا J'ai pas compris avec les Mahalli, j'ai pas vu la chute. Hein? La première, tu as déjà répondu. Ouais. La deuxième, est-ce qu'on va avoir d'autres figures? Alors, il y a d'autres joueurs. La première, c'était quoi? Tu t'avais déjà répondu. C'est quoi? Je vois la logique de. Répétez, s'il vous plaît. Vous êtes reparti sur la série de victoires. 5 victoires consécutives, tu l'as déjà répondu. Ah, là. On a dit la culture de la victoire, elle est présente. Ça fait longtemps qu'on a installé ça en nous. On n'a pas gagné tous nos matchs, notamment des matchs ou pas perdre des matchs. Parce que des fois, on peut faire un match nul et puis aller en Coupe du Monde, ce qui n'a pas été le cas dernièrement. C'est dans notre nature, à nous. On a mis ça dans nos mentalités. Il y a toujours ce rappel... Malgré les matchs de comme ça, de préparation, on est là avec beaucoup d'idées d'essayer des joueurs, de voir des situs, de voir des associations, d'essayer des choses. Mais il y a toujours comme au bout de ça, l'esprit de la compétition et de la gagne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder absolument. Ensuite, c'est pas... Daïmen, t'es beau le laïbin. C'est-à-dire, si Majid qui a démarré avec moi comme dans mon staff et qu'on a mis en place avec l'équipe des locaux, c'était pour une raison bien précise. Je fais confiance en Majid. Je sais que ça travaille très bien. Je sais qu'il a un suivi permanent de tout ce qui se fait dans notre championnat. Je ne fais pas juste confiance, je vois aussi, je connais tous nos joueurs, tous les joueurs qui composent l'équipe des locaux, je connais le championnat. Donc on suit tout, on est à l'affût, il y a eu Merazik qui était là, comme je lui ai dit, il y a plusieurs joueurs qui sont venus, mon fonctionnement à moi c'est jamais mettre les joueurs dans la difficulté lors des matchs de l'équipe A. Dans le sens où ça peut être fatal pour eux. On a un public qui aime son équipe, mais qui est en même temps exigeant et connaisseur du football. Donc le but, c'est de pas mettre les joueurs d'essayer de mettre les joueurs dans les meilleures conditions et pas sous pression. Donc un joueur comme Houssem Merazeg, il a vu ce que c'était le haut niveau. Il a vu les séances d'entraînement. Il a vu à quel point qu'il avait une marge de progression, mais c'est déjà une très bonne chose. C'est un joueur studieux, c'est un joueur qui est attentif, c'est un joueur qui a envie de progresser. Et s'il bosse bien, et s'il travaille bien, il aura la possibilité de jouer dans l'avenir, Inch'Allah. Je pense qu'il faut l'éloigner un peu. أنتم
plus grand si on revient. Et si on rejoue ici. Exactement. Oh, le stage. C'est bien passé. Le stage s'est bien passé. On a travaillé dans les bonnes conditions. Très heureux de faire plaisir ou de voir un stade comme ça plein. Et puis de. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas venu ici. Ça fait beaucoup quand même. On sait qu'on est dans une région qui aime beaucoup, beaucoup le football. Donc tout s'est très bien passé. Juste le point noir, Binetna, de rentrer en plein match comme ça, elle a dit c'est Mesh Mokboula. Mesh Mokboula, c'est Hadja Lima. Nebro Nedam, Nebro Foda, Mesh Mlih. Donc ça, c'est quelque chose en pleine action comme ça, un joueur qui rentre. Action ou pas action, je fais le malade. Donc ça, c'est un petit peu le point noir, mais bon, on ne va pas enlever le mérite à tous les supporters et l'ambiance qu'ils ont pu mettre. Et je sais que l'amour qu'ils ont pour leur équipe nationale, à 3, à 14 heures, ils ont commencé à rentrer dans le stade. Ça, c'est toujours quelque chose que j'oublie pas et que je répète souvent aux joueurs. Donc, Inch'Allah, on reviendra ici, bien sûr. Ça fera des parties des stades qu'on aura comme option. Le plus important, c'est d'avoir des options. À l'époque, on avait zéro option. C'était Blida et rien d'autre. Peu importe les conditions de terrain, peu importe les conditions d'accueil des supporters, peu importe toutes les conditions, on est obligé de jouer à Blida. Donc là, maintenant, on a la possibilité évidemment de jouer à Wahran. Et puis, je sais que les stades de Baraka qui sont en train de se construire, qu'il y a Tizi Ouzou, qu'il y a Constantine Annaba. Bon, la chaîne va aider parce que voilà, l'équipe va se produire un petit peu partout, la chaîne va se produire un petit peu dans tous les stades. C'est une bonne chose pour l'Algérie. Mais évidemment qu'on reviendra ici. On... Amar. Oui. Ouais, moi ça me dérange pas. Parfois je préfère soulever le collectif et tout ça, mais bon, des fois quand il s'agit de faire ressortir un joueur notamment qui a marqué son passage en équipe nationale il n'y a pas si longtemps que ça, aux alentours des 2014, durant la Coupe du Monde et un petit peu après, et qui a eu une longue traversée du désert. Donc à la limite, il est légitime de lever un petit peu et de montrer un peu les efforts qui ont été faits, parce qu'il a fait des gros efforts, tant dans son comportement que dans son jeu, que dans son envie de rejoindre l'équipe nationale. Je sais qu'il attendait les listes avec impatience à chaque fois. Il savait sur ce premier match qu'il jouait quand même assez gros. J'aime pas mettre la pression comme ça ou que ça devienne une pression négative, mais le haut niveau, c'est ça. Quand on joue en équipe nationale, pas l'équipe d'Algérie, toutes les sélections, on marque des points, c'est non, au contraire. Bah écoute, il y a des joueurs, ça dépend des postes. S'il y a trois joueurs dans un même poste qui se valent, bah écoutez, t'as la possibilité de jouer, t'as pas validé, ben il y aura un autre joueur qui va venir. Si lui valide, et ben peut-être que ta place, c'est ça. Tant mieux qu'on ait plus d'options. Et puis donc Nabil a fait partie vraiment de cette grosse satisfaction de ce stage-là. J'aime beaucoup aussi. Je vais revenir à la deuxième question ensuite. J'ai beaucoup aimé aussi, assez aimé quand même. Aussi Ahmed Touba, de le voir dans ces conditions avec un joueur comme Iheanacho, c'est un joueur qui joue à Leicester, qui tous les week-ends joue en première ligue contre parmi les meilleures défenses du monde. Le joueur de Lorient, de Ligue 1, qui est aussi assez costaud, derrière Ayoubi. Bref, il y avait des joueurs de qualité un peu partout, les joueurs offensifs surtout. Le joueur de l'Atalanta, Ousmane, je crois, le joueur de Simon, le joueur de Nantes, bref, de la qualité pas partout, offensive. Donc il fallait. C'est les vrais tests, ceux-là. Ceux-là, c'est les vrais tests. Et donc j'aime bien cette idée d'être costaud et de montrer par rapport à ça. Parce qu'on a souvent décrit aussi le fait que de certaines positions, on avait des problèmes, défense centrale, on avait quelques soucis ou pas suffisamment d'options. J'ai aimé aussi Amin Tougaï, je ne vous cache pas, qui a été assez intéressant sur le match contre la Guinée. Et donc, pour revenir à j'aime le retour de, si vous voulez parler d'individualité, j'aime le retour de Adam Ounas.
ce qu'il est en train de faire en club. Et de toute manière, lui, c'est ça. C'est quand il a du temps de jeu et qu'il est fit, qu'il est prêt, il peut exprimer ses qualités. On sait ses qualités d'explosivité, de vitesse, de dribble, de percussion. Ça, pour ça, il faut du temps de jeu. On peut pas se permettre d'être sur le banc, jouer 5 minutes ou 10 minutes toutes les deux semaines. Donc là, il enchaîne ça. Donc ça va être aussi un vrai apport. Après, pour revenir sur le milieu de terrain, qui est très très important, parce que c'est le cœur du jeu, tout le monde le sait. Une équipe, elle fonctionne, elle est fluide par son milieu de terrain et ses associations, ses complémentarités. J'aime beaucoup ce qu'on a vu en deuxième mi-temps, par exemple. Donc ça, c'était quelque chose qui était dans ma tête, qui est là, comme ça. Après, il faut le matérialiser sur le terrain. On a des schémas, on a des idées, dans les circuits de passe, voilà. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir une assise et une manière de jouer, être tranquille dans la conservation de la balle, de la faire évoluer, de passer sur la troisième zone qui est la ligne d'attaque, ramener les ballons dans les bonnes conditions. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour ça, avec ces trois joueurs-là, mais bon. On va travailler avec eux. C'est la première fois qu'ils jouent une mi-temps de vécu ensemble. Et on sait qu'il faut du temps pour ça. On sait qu'il faut du temps. On voit l'équipe de France, quand il n'y a pas Pogba, quand il n'y a pas Kanté, quand il n'y a pas tout ça, ça devient difficile, très difficile. Donc tant mieux. Coach, je vais rebondir là-dessus. Si vous le permettez, vous avez parlé de deuxième mi-temps. Est-ce que vous estimez que c'est une des mi-temps références depuis votre arrivée? On l'a vu, c'est une mi-temps de haute facture. L'Algérie a dominé d'une manière outrancière et totalement les débats. Et puis, je vais rebondir sur une autre question. Sur la première période, on a vu aujourd'hui une équipe, une sélection nationale, qui a su même dans la difficulté varier le jeu, sortir le ballon proprement, aller chercher des solutions à chaque fois pour aller chercher cette égalisation qui est intervenue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui c'est cette philosophie que vous cherchez à ressortir chez les joueurs? Merci, coach. Il faut, je vous dis, pour avoir, en gros, le message et le plan de ces deux matchs, c'était d'être audacieux, de ne pas être craintif, de ne pas jouer petit bras, et quitte à ce que des fois il y a un peu de déchets quand il y a des joueurs en face, quand tu as mis le terrain à Iobi, celui qui joue à côté de lui, qui joue aussi dans un gros club, toute l'attaque, ils savent qu'en sortir, ils savent qu'en presser, ils te font mal. Et malgré ça, on continue à jouer sous pression, à essayer de ressortir le ballon. C'était le bon moment pour le faire. C'était le vrai test pour le faire. Après, donc ça a été voulu, ça a été travaillé, ça a été voilà, planifié. Ensuite, voilà, comme vous avez dit, après il y a l'alternance. Quand on n'est pas faut pas être suicidaire, faut pas avoir un excès d'orgueil ou un excès de confiance à se dire que quoi qu'il arrive, je vais sortir de derrière. De toute manière, je suis pas hyper favorable que malgré toutes les conditions de pressing très haut, on veut absolument sortir le ballon. C'est pas parce que Pep Guardiola a initié ça, lui il a le gardien pour, il a les joueurs pour, il peut se permettre, il fait un milliard d'euros de transfert, je ne sais pas, depuis ces dernières années, donc il a les joueurs pour ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça, donc je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Ben, regardez l'équipe de dernier match des locaux, il y a un but pour l'Algérie, comme ça, où le gardien essaie de ressortir sur sa ligne de soiderie. Et il y a aussi nous, on a failli prendre un but aussi avec le gardien qui a essayé de faire la même chose. Donc, faut pas tomber dans cet excès. Se faire sortir le ballon, pourquoi attirer des joueurs, 5, 6 joueurs, s'ils sont là, c'est qu'il y a un espace quelque part, un truc quelque part. C'est ça l'idée. Mais il faut pas que ça soit sortie de balle pour sortie de balle. Donc, on a bossé ça. Il faut beaucoup de temps pour ça, il faut vraiment beaucoup de temps, il faut les joueurs pour ça. Bon, je vous dis, avec des joueurs comme Nabil, avec des joueurs comme Aïssa qui a l'habitude de sortir le ballon, avec Ramiz, avec Ismaïl, avec Ahmed Touba, on a un droitier, on a un gaucher, les angles de passe ne sont pas les mêmes, il y a une possibilité de sortir. Après, on est un Atal est très à l'aise, un Rami est très à l'aise, bref, on a les joueurs. Pour ça, il faut juste du temps, parce que c'est ça qui nous manque pour avoir ces sorties de balles, cette animation, pour aller faire mal... plus loin. Mais en tout cas, c'était ce qu'on a voulu faire. Tout n'a pas été parfait, je vous l'ai dit. Et puis j'ai beaucoup aimé
le fait que cette équipe aussi, elle est venue, elle a beaucoup d'orgueil. C'est une équipe qui a des grands joueurs, avec des joueurs qui jouent tous dans des gros championnats. Je ne les vois pas dégager le ballon, surtout pas les temps qui courent, où tout le monde fait ça. Donc, ils ont tout essayé, toutes les genres de sorties, avec une sentinelle, avec A2, A3, à toutes les semaines. On avait travaillé tout ça, et ils ont quasiment jamais, il y a eu une ou deux fois où on était pas truc, mais quasiment jamais pu sortir comme il faut. On aurait même pu être un peu plus précis sur les récupérations, se projeter plus vers l'avant, peut-être avoir des situations de but. Donc, merci. Je voudrais, si vous connaissez, coach, vous remercier pour les efforts que vous êtes en train de faire, vous et tout le staff, soit médical ou médical, technique, etc. Donc, je voudrais que coach, ma première question porte sur... S'il vous plaît, une question. Une question, s'il vous plaît. Deux petites questions, c'est pas... Ma porte sur, est-ce que nous avons vu aujourd'hui le vrai visage de... Le retour de l'équipe nationale, un grand visage, elle a fourni une prestation à de votre partie. Donc, est-ce que vous êtes vraiment satisfait de l'endroit de l'équipe nationale d'aujourd'hui? La deuxième question, quels sont les premiers enseignements que vous avez tirés de ce match? Et je voudrais, si vous permettez, lancer m'adresser à ce joueur qui a fourni aujourd'hui, de la vie générale ou de l'aveu général même, l'aveu, une prestation époustouflante, à savoir Nasser Smaël. Donc, s'il y a un commentaire à faire là-dessus, merci coach pour le travail que vous faites. Déjà pour le. C'est Belhaj Belhol, le rédacteur en chef, de Info Euro News, basé à Sibylabès. Merci. Enchanté. Déjà pour la première des choses, effectivement. On remercie toujours le staff technique, le staff médical, le staff font un travail monstrueux. S'ils n'ont pas ils sont pas sous la lumière, tout et tout. Nous, on n'oublie jamais de. On connaît leur importance, que ce soit le staff médical, surtout le staff logistique. Tout le monde là. J'ai une équipe derrière moi, autour de moi, de grande qualité et d'une discrétion incroyable, mais très professionnelle, très travailleuse. Et qui vraiment bossent dans l'ombre, ils ont autant de mérite que tout le monde. On ne forme qu'un, je suis juste un petit peu leur représentant parce qu'il faut une voix. Mais sinon, on est tous sur la même longueur d'onde, moi, mes staffs et moi-même. Ensuite, pour l'équipe, oui, et on ne va pas faire la fine bouche contre une belle équipe du Nigeria, une très belle équipe du Nigeria. Qui regroupe pas mal de qualités, des joueurs d'expérience, des joueurs de qualité, des joueurs de athlétiques, des joueurs qui jouent dans des grands championnats, qui jouent la Champions League européenne, tout ça. Donc c'était un vrai test. En fait, c'est ça qui fait que un vrai test. On en est à notre troisième rencontre contre eux, entre la CAN, sous mon mandat entre guillemets, entre la CAN. Demi-finale de la CAN, un match de préparation qu'on avait joué aux Pays-Bas, je crois. Ce match aujourd'hui, on a trois matchs contre eux, trois victoires contre cette équipe-là. Je sais qu'ils étaient venus avec un esprit quand même assez de casser cette dynamique-là, et c'est tout à fait normal. Un esprit de revanche, quelque part. Donc, il y avait tous les éléments de cette équipe-là pour nous faire du tort aujourd'hui. Les joueurs ont été très, très, très assidus dans le boulot. Franchement, Je vais être très honnête avec vous, le résultat et la prestation d'aujourd'hui, elle est le fruit de beaucoup d'attention, de beaucoup de concentration sur cette semaine de travail. Donc, passer à côté de ce match-là m'aurait vraiment déçu, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de signes avant-coureurs, avant ce match-là. Donc, c'est quoi d'autre ? Ismaël, il est quasiment coutumier du fait. C'est plus une surprise. Il a tellement de cœur, tellement de talent. On va pas juste parler de son abattage ou de son travail. Il y a aussi son talent de jouer sous pression et d'arriver comme ça, sortir de situation. C'est les grands joueurs un petit peu qui font ça. Ça me fait penser un peu les joueurs comme plus ou moins. Hein, c'est pas exactement comme cela, mais de se sortir des situations où on pense que le ballon est perdu. Des joueurs comme Iniesta, des joueurs comme Modric, des mecs comme qui
Modric peut-être un peu plus meneur, un peu plus créateur, mais pouvoir jouer sous pression et sortir des ballons propres. Et donc ouais, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Behavdo, il faut qu'il continue comme ça. De toute manière, il a une mentalité extraordinaire, mashallah. Vraiment un enfant bien éduqué, travailleur. Donc on lui souhaite d'aller le plus haut possible avec son club et avec l'équipe nationale, bien sûr. Rachid. Coach. Allez, c'est où? Ah, santé. Rachid Belarbi. Coach, au-delà de la belle prestation, qu'il y a soit d'une façon légitime vos ambitions renouvelées, en perspective des échéances futures et des challenges à venir, sous quel angle vous percevez justement les standing ovations qui vous ont accompagné, que ce soit face à la Guinée, et notamment ce soir face au Nigeria. Est-ce ce que vous les percevez comme une reconnaissance et une gratitude par rapport à la parenthèse enchantée 2018, janvier 2020, ou vous les percevez comme une sorte de, par rapport aux dernières critiques, comme des standing ovations qui font office de référendum populaire? Merci, coach. Avant de parler de soutien, déjà le fait que le peuple ou notre population avait déjà ce souhait de me voir à la tête de cette sélection, c'était déjà en soi déjà un vrai soutien depuis le départ. Donc tous les jours on travaille avec cette idée de je serai pas là, aussi simple que ça. S'il n'y avait pas Ilamachi Chabna, je serais pendant sur trois sélections. Donc je pense les joueurs aussi. D'ailleurs les joueurs ils viennent et ils ont cette envie de Farracha ou et on sait qu'il aime le football, on sait qu'il est attentif à ça, qu'il a envie de vibrer à chaque fois qu'on joue, c'est ce que je leur dis. Après toutes les demandes tactiques, technico-tactiques et tout ce que je voulais, j'ai toujours mon petit temps pour leur dire, et n'oubliez surtout pas qu'à la fin, il faut que c'est les gens qui viennent vous voir, ou les gens qui vous regardent à la télé, ou les gens qui sont loin du pays, ils attendent quelque chose. Ils attendent de vibrer avec vous. Donc c'est peut-être pas toujours possible, mais il y a toujours cette intention de faire plaisir à notre peuple, parce qu'on sait qu'il aime le football. Donc après, face aux critiques de qui déjà, si tant est qu'il y avait des... je ne fais pas attention déjà, ça, c'est sûr et certain, croyez-moi sur parole, je ne fais pas attention. Il n'existe pas, en fait, tout simplement. Moi, c'est les performances qui m'intéressent, c'est les résultats qui m'intéressent. Après, y a, je vous l'ai dit, et notre peuple qui est derrière cette équipe-là, qui aime cette équipe-là. Je suis à l'intérieur de ce groupe-là, c'est tout. C'est plus important. Le reste, il n'existe pas chez moi. Yazid. Salam alaikum. Yazid Jumaa de la chaîne Bilal. Félicitations, coach, pour les deux victoires. Ici, avant. En fait, ma question, c'est concernant le prochain stage. Donc, nous avons lu récemment sur le journal de notre ami Nazim Sol, je ne sais pas s'il est là ou non, je me permets. Probabilité, on va dire, ce que réellement on va rencontrer la Suède en France et plus précisément à Marseille. Donc on a beaucoup parlé de ça. J'ai une réponse s'il vous plaît. Merci. Bon, je ne peux pas donner de réponse maintenant. Je ne peux pas dire que c'est faux. Je ne peux pas dire que c'est vrai parce qu'il n'y a, a rien d'officiel, rien de confirmé. C'est une première des choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au mois de novembre, on va même essayer de faire deux matchs. Ça va être une petite fenêtre courte, mais où les gens seraient peut-être un peu focalisés sur la Coupe du Monde. Bon, nous, on aura des plus importants, on aura nos supporters qui feront attention à nos oppositions, au match que l'on va jouer. Et mon souhait, c'est de pouvoir jouer encore un match supplémentaire. Voilà, faire deux matchs au mois de... Même si la fenêtre est courte, s'il faut faire deux matchs en trois jours, voilà. C'est ce que je souhaiterais faire. Après, il y a ce que l'on souhaite, et après, il y a la réalité du terrain et ce qui est possible de faire ou pas. Ça me dépasse. Donc, on travaille dans ce sens-là et on verra. En tout cas, pour répondre à votre question, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est rien d'officiel.
mais cette idée-là, ce trame, ce travail, je sais pas, il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien de concret aujourd'hui. Salam alaikum. Coach Ishaq Al-Mans Badr Wataniya, Zarba avec un niveau stable une autre fois, est-ce qu'on peut dire qu'il a gagné des points en plus pour les prochains rendez-vous? On avait la possibilité de faire jouer d'autres gardiens aujourd'hui. Bon, pour parler clairement, plus Alexandre Okidja que Farid Chal, parce qu'il est venu comme un pompier, parce qu'on avait besoin d'un autre gardien. Mandrea s'est blessé. Je le remercie d'ailleurs parce qu'il a Farid a montré de belles choses à l'entraînement. L'idée de continuer avec Zerba, c'est justement ça. C'était de lui donner encore une grosse rencontre, des gros joueurs pour avoir, comme on dit souvent, il y en a qui me disaient ouais, Raïs, il n'y a pas Raïs, Raïs après Raïs, il y a quoi? Il y a Zerba qui est là, il y a Oukidja. Oukidja a montré des choses incroyables durant ce stage-là, qui donnait envie même de le titulariser, lui donner la possibilité de jouer. Mais j'avais envie de vraiment d'asseoir un petit peu dans cette période-là Mustapha Zerba, parce qu'il le mérite sur toutes ces années de travail, où il a toujours été constant au club, constant dans le travail. Voilà, donc félicitations à lui. Voilà, souvent on oublie les gardiens de but, mais il est dans la lignée des joueurs, de Nabil Ben Taleb, de tous les joueurs qu'on avait cités là, qui sont des satisfactions. Et dans cette lignée-là, lui aussi. Voilà. Un, deux, trois, on arrive. Coach Hanan Fetsi, le Marma Sport. واش هي الايجابيات والسلبيات اللي خرج بهم الكوتش في الماضي من المباراتين اللي لعبهم، وهل انت مقتنع بالنتيجه باداء التشكيله عفوا نتاعك؟ ميرسي. Je pense qu'on a assez, on a tout dit carrément dans cette conférence. Ouais, bon, je vais résumer, j'essaie de résumer comme je peux. L'aula, c'est Choufna, peut-être 95%, Rapsotessaïn, on a Choufna, l'Aïbini, mais Choufna, ça fait Mzavin. Sur deux matchs difficiles, contre deux belles équipes, donc dans de la difficulté, on a montré certaines qualités. C'est là, j'ai expliqué, c'est là où on progresse, c'est là où apparaît des qualités ou pas. Ils y arrivent pas. Le résultat est toujours important. Donc gagner deux fois, c'est toujours important. Et puis voilà, l'avènement ou la confirmation ou voilà le retour de certains bons joueurs qui pourront dans l'avenir nous donner plus d'options pour notre équipe. L'avant-dernière. Salam alaikum coach. Salam Hussein Moujamma Diwan. Le week كان حول الناخب الوطني حول اداء مدافع احمد توبا. شفنا التدخلات تاعها كانت كلها موفقه وتمكن من تغطيه بعد الهفوات تاع ماندي. وسؤال ثاني من فضلك، اليوم ظهرت قضية فسخ العقد تاع اللاعب ليلي، هل المدرب على طلع بذلك؟ شكرا لاخي. على 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 لا سيتواسيون تاع ليلي ما على باليش، ونتمنى باللي ما سي اون فوس انفورماسيون، باسكو ميركاتو تيرميني. Le club a démenti. Apparemment, Abou Dhabi, le club a démenti. Vraiment, c'est pas vrai, que c'est que des rumeurs infondées. Youssef doit retourner au Nadi ou Yisbor. C'est ça le professionnalisme, c'est ça le football. Il y a des jours où on est bon. C'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Je leur ai dit retournez dans vos clubs. خدمو اللي ناقص في سور طون جو اي با يخدم ويصبر ويفي لو ماكسيموم با يلعب هادي خدمتكم لازم فو فير سي ايفور لا دونك جيسبر كو سي كون رومور ابري قلت لكم لا بور موا
ضد لاعبين اللي عندهم مستوى عالي بين بلي يقدر يلعب. وانا اللي كنت نستناه في هذو المباريات. هو بدا مع لوغندا مي لافي جوي لا دي جوي دوت ماتش مي الفريق الاساسي لعب مع لوغندا مي كل احترامات لوغندا ألغي كي با دو بيتيت ايكيب اون افريك اون فوا كي توت لي ايكيب سي ديفيسيل سيتي اسي ترانكيل سا اليوم شفنا ضد فريق قوي باللي يقدر يطلع المستوى تاعو دونك سي اون بون شوز بور سي بور ليكيب. فيصل بور لا ديانيير. سلام فيصل على الفير نيوز. OK. Dans les grands matchs, c'est les détails qui font la différence. Aujourd'hui, on a beau parler sur la qualité de nos défenseurs, mais en même temps, si on veut revenir sur l'action de but à la 9e minute, Mofi et Lormen étaient plus rapides. On a senti un petit peu que la défense algérienne était un peu lente. Elle a été prise même par la rapidité de l'équipe nigérienne. Quand vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation. Bah, je l'ai dit. C'est des choses qui vraiment me... C'est des choses que je n'aime pas voir. Je leur dis souvent, j'aime pas qu'on ait trop nia. Ou le hila, je veux que ça soit un peu comme le ballon que Youssef donne rapidement dans la surface, ça finit en penalty. Donc ce genre de choses, je veux que ce soit nous qui soyons comme ça. Je veux pas que ce soit là, parce que c'est ça, là, comme vous avez dit, le haut niveau, c'est ça. C'est tu fermes les yeux. Moi, je ne veux pas faire l'expert, mais souvent, je sens quand il y a un but qui va que l'on va encaisser. Accroche-moi sur parole, c'est la vérité. Je le sens comment. Je ne suis pas sorcier, mais quand je vois un peu l'attitude et le langage corporel des joueurs dans la surface, notamment sur coup de pied arrêté, par exemple. Je sens qu'on n'était pas bien concentré, bien fort. Après, on avait trop d'erreurs sur la même action. Donc, alors que ça s'est travaillé, trop d'erreurs sur la même action. On sort pas deux comme au moment où il faut. Ça centre un peu normal, un peu trop facilement. Et surtout quand ça revient, on sort pas comme sur les joueurs alors qu'on est au bout de 9 minutes ou 10 minutes de jeu, je sais plus. Donc ça c'est des choses que j'aime pas voir. Les coups de pied arrêtés, but sur coup de pied arrêté, c'est 50% des buts, plus ou moins. Hein. Donc c'est un fait de jeu qui est très très important, sur lequel il faut maîtriser absolument. Il faut être bon dans les deux surfaces. Donc là, je ne manquerai pas, je leur ai dit à la mi-temps, mais ce n'était pas le moment d'accabler plus que ça, parce qu'ils savent que je déteste ça. Ils savent que j'aime bien qu'on est là, qu'on regarde le ballon, qu'on est concentré, qu'on voit ce qui se passe, que quand il y a un ballon qui sort, on sort comme des bombes. On n'a pas été, je ne sais pas pour quelle raison. La vérité, je ne sais pas, On est à la bonne position, on est à la bonne... mais on n'a pas l'attitude qu'il faut. Ça, le haq, ils vont. On va revoir ça très vite, notamment dans le prochain stage, Inch'Allah. Merci bien. Bonne soirée.